Bienvenue dans ce nouveau numéro de Japan 80s. Ce numéro est dédicacé à Rome. Oubliez les AKB 48 ou même les Morning Musume. Il y a eu un début avant tous ces groupes d'idoles adolescentes, et ce, dès le milieu des années 80. Son nom, Onyanko Club. Alors, musicalement, on ne retiendra guère que parce que la célèbre Shizuka Kudo y a fait ses débuts, sinon c'est aux limites de l'inécoutable, je m'en excuse par avance, tout comme le côté parfois un peu tendancieux de la chose. Il va y avoir de la chair fraîche. Mais c'est plutôt le côté historique qui va nous intéresser ici, même si le groupe n'aura duré qu'à peine 2 ans. Tout commence le 1er avril 1985, non, c'est pas une blague, avec le premier numéro de l'émission de variété Yuyake Nyan Nyan sur la chaîne de télévision Fuji Telebi. Cela a son importance, nous le verrons tout à l'heure. Dans cette émission quotidienne, à destination des collégiens, on peut voir une rubrique où on fait passer des auditions à la recherche de nouvelles idoles, et au bout de quelques semaines, on a réussi à en trouver suffisamment pour en faire un groupe. Elles sont déjà 11, sachant qu'à la fin de leur carrière, on en aura vu passer une bonne cinquantaine. Sur les 11, j'en mentionnerai seulement 6. Mika Okuda, Michiko Enokida, Kayoko Yoshino, Mamiko Tomoda, Aki Kirala et Mayumi Sato. Pourquoi elles ? Vous le découvrirez peu après. Et donc, le 5 juillet sort leur premier single, c'est leur Fukuo no Kasanaide. Vous remarquerez 13 filles sur la pochette, car deux nouvelles sont arrivées entre temps. Les paroles sont parfois assez chaudes, on ne s'y attendrait pas vraiment, du genre « Non, ne me touche pas ici » ou « J'ai envie de… » bip. C'est pas trop en adéquation avec le style musical, ce qui donnera lieu à polémique. Pour l'anecdote, les AKB 48 en feront une cover bien des années plus tard. Pas seulement elles d'ailleurs, en 2015, le groupe Sexy J également. Alors, vous connaissez pas Sexy J ? C'est un groupe d'idol qui a la particularité d'être composé exclusivement d'actrices de X. Néanmoins, le 45 tours se vend très bien, 250 000 exemplaires, et atteint la 5ème place à l'Oricon. Signalons que la veille de la sortie du disque, le 4 juillet, les Onyanko Club auraient dû donner un concert gratuit en plein air dans le quartier de Ikebukuro. Initialement prévu pour 500 personnes, ce n'est pas moins de 4000 fans qui se sont présentés. Les filles n'ayant aucune envie de serrer 4000 mains après le concert, et on le comprend, et pour des raisons de sécurité, le concert fut annulé. Vous voyez que ça commence bien. Mais les 6 filles dont je parlais un peu plus haut vont devoir quitter le groupe à peine 2 semaines plus tard, après avoir été prises en photo par des paparazzi, en train de fumer dans un café de Shinjuku. Alors, étant mineure à l'époque, ça la foutait très mal. Au Japon, on ne plaisante pas avec les moins de 20 ans qui consomment de l'alcool ou du tabac. Cela aurait pu sonner le glas du groupe, mais heureusement, il y avait suffisamment de remplaçants disponibles,
même si certaines, il est vrai, s'absentent parfois durant plusieurs semaines, pour cause d'examen notamment. L'émission de télé, quant à elle, décidera de ne pas communiquer sur cette affaire, comme si elle n'avait jamais existé. Et à partir de ce moment-là, les Onion Co-Club, outre le fait qu'elles soient de plus en plus nombreuses, vont parallèlement se scinder en plusieurs mini-groupes, certaines carrément en solo, mais toujours sur la même licence, si j'ose dire. Comme par exemple les Ushiro Yubi Sasaya Legumi, duo composé de Mamiko Takai et Yukiko Iwai, qui a interprété tous les génériques de l'anime High School Kimengumi, mais on les écoutera en fin d'émission. En septembre sort leur premier album, Kick Off, elles sont déjà 17 à ce moment-là, qui se place numéro 2 de l'Oricon. Et le mois suivant, leur second single, Oyoshin Natene, Teacher, qui lui traite d'une relation adultère entre un prof d'âge mûr marié et une de ses étudiantes. Lui aussi numéro 2, il se vend un peu moins bien que Sailor Fuku ou Nugasanaide, mais cela reste très satisfaisant, 180 000. Le troisième sort en avril 86, Jaane, et à partir de celui-ci, tous leurs singles finiront numéro 1. Bon, j'ai dit tous, mais elles n'en sortiront encore que 7, respectivement 4 en 86 et 3 début 87. Mais tout de même, réussir à aligner 7 numéro 1 en l'espace d'un an, c'est du jamais vu. Je crois que même Hikaru Genji n'a pas réussi à faire aussi bien. Elles sortiront également 4 albums, qui eux aussi figurent toujours dans les 3 premières places. Jaane sera leur plus gros hit avec les 280 000 ventes. Le 21 avril sort Otochikan, qui lui, comme son nom l'indique, bah il traite des chikan, quoi, les pervers qui tripotent dans le métro. Pour info, c'est juste après ce morceau que Shizuka Kudo rejoint le groupe. Malgré leur succès, on ne les voit étrangement dans aucune autre émission télé, ni même le Koraku Utagasen du Nouvel An par exemple, pour une raison bien simple, elles sont considérées comme la propriété de l'émission où elles officient. Mais elles sont tellement populaires que cela ne leur nuit pas vraiment. Pourtant, à partir de l'automne 86, de plus en plus de filles quittent le groupe sans se faire remplacer. L'émission doit s'arrêter à la saison suivante, et les Onion Co-Club devront donc en quelque sorte disparaître avec. La toute dernière membre les rejoint le 13 juillet 87, soit seulement 2 mois avant la fin. Elle s'appelle Yan Yolinda, et sera la seule membre non-japonaise du groupe. Hongkongaise pour être précis. En mars-avril 87, elle donne une tournée d'adieu, puis sort un dernier single, Wedding Dress, en août, et l'émission, elle, tire sa révérence en septembre. Un ultime concert a lieu en septembre aussi, où elles réunissent 30 000 fans, dont certains seront à l'origine d'émeutes et d'actes de vandalisme. Jusqu'à la fin, les Onion Co-Club auront fait le buzz. Ensuite, chacune part de son côté, certaines continuent dans la chanson, d'autres non, beaucoup se marient et passent par la case femme au foyer, et il y en a une qui devient carrément prof de yoga. Mais pourtant, le groupe se reforme en 2002, juste le temps d'un single et d'un concert. Seulement 14 ont répondu à l'appel, d'après ce que j'ai compris. Mais leur nouveau titre, Show Me Kigen, fait un bide. Et il faut dire aussi que jouer les lycéennes à plus de 40 ans, bon...
9 singles et 5 albums en 2 ans. Mais le plus drôle, c'est qu'elles ont également sorti pas moins d'une vingtaine de best-of. Alors ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Terminons sur une anecdote plus régionale. Onyanko Club était surtout un groupe qui a eu du succès à Tokyo, ou plus globalement sur l'île de Honshu. Elle n'était pas vraiment populaire à Shikoku ou à Kyushu, et ça peut s'expliquer par l'émission de télé, originairement Tokyoïte, et qui n'était pas diffusée sur le reste du territoire. Alors, la plupart des morceaux étant insupportables, on va au moins se quitter sur un générique d'anime, Ushiro Yubi Sasalegumi, qui est aussi le nom du duo. Notons que Motoe Shinzawa, l'auteur de Kimengumi, était un gros fan d'Idol, dont le Onyanko Club évidemment. On pourra d'ailleurs apercevoir les deux chanteuses dans l'épisode 63 de l'anime. Ce passage a été censuré dans la version française, sûrement pour des raisons de droit. A bientôt j'espère, et vive les années 80!